Ils sont tous aussi stupides. Il semblerait que les lapins partagent un vrai esprit d'équipe. Que se passera-t-il si on en sépare un du reste du groupe? C'est parti, expérience 327. Cela va nous être utile. Oui, normalement, il devrait... Là, une réaction. Voilà. Intéressant. Ce n'est pas tout. Ça suffit. Je prends les choses en main. Essayons d'inverser les rôles. De salaire sur les bleus. Les blancs vont gagner. J'ai gagné! Pas encore! Ils sont tellement émouvants. C'est la plus belle expérience scientifique qui m'a été donnée de voir. Ouais, c'est très touchant. Aujourd'hui, notre étude va porter sur la possessivité du lapin. Oui, c'est l'expérience numéro 223. Les lapins sont-ils, oui ou non, possessifs? C'est chouette. Non. Je me vengerai. Passons à la phase 2 du test. Il est temps de... Go, go! Coopération élémentaire entre les sujets. Nous allons boucler ce test en un rien de temps. Je n'en suis pas si sûr. Voyons, c'est pourtant très simple. La pièce est divisée en deux parties grâce à un mur de verre. Le sujet numéro 1 doit appuyer sur le bouton situé dans sa partie, afin qu'une porte s'ouvre de l'autre côté, permettant ainsi au sujet numéro 2 d'être libre. Et voilà, je pense que nous serons chez nous dans 10 minutes. Je rêve. Enfin. Ils vont y arriver. C'est une blague. Voilà, c'est ça. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu attends, bon sang? Oh, punaise, appuie dessus. Oh, quelle plaie! Hein? De quoi? Non, rien. Ils vont y arriver. Tout va bien. Ok, maintenant ça suffit. Et cette fois, j'espère que ce lapin sera un peu moins crétin que l'autre. Vous savez que cette procédure n'est pas très conforme au protocole. Oh, on s'en fiche. Si je ne fais rien, on est bon pour passer la nuit ici. Non mais là, il se fiche de moi. Peut-être que la prochaine fois... On... Vous savez quoi? La prochaine fois, nous ferons l'expérience avec des grenouilles. Commençons. Test numéro 123. Ridicule. Ok, passons à la phase 2. Ah, intéressant. On dirait qu'ils ont trouvé un moyen de décider qui commence. Ne me dites pas qu'ils sont en train de jouer à pierre, feuille, ciseaux. Vas-y, tu peux le faire, fais-le. Fais-le. Ok, passons à la phase 3. Phase 4. C'était la phase 5, non? Désolé. Phase 6. Passons à la phase suivante, qu'on en finisse. Voyons voir s'il a appris quelque chose. Prêt pour la phase finale? Ce n'était pas la phase finale, si? Ça veut dire qu'il faut qu'on recommence le test depuis le début. Test numéro 123, nous sommes prêts pour repartir à zéro. Est-ce qu'on pourrait avoir 2 tasses de café? Non, en fait, apportez toute la cafetière, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons comparer plusieurs types d'intelligence. Test 1, mettre des formes géométriques à leur place. Premier sujet. Suivant. dernier cobaye. Je lui souhaite bien du courage. Oui. Non, 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 non. C'est ça? Oui. Test suivant. Test numéro 2, réussir à sortir l'objet en utilisant l'outil approprié. Non, 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 non. Sympa. Suivant. Suivant. Les outils derrière toi, regarde. Oui, vas-y. Joli coup. Test suivant. Test numéro 3. Récupérer un objet posé sur une colonne mécanique en appuyant sur le bouton à l'aide d'un bâton. Ouais, ouais. Suivant. Test numéro 4, expérimenter l'interaction entre les sujets. Vont-ils parvenir à coopérer? Allez, allez. Oui, oui. Oui, on va y arriver. recommencer. Sale voleur! C'est bien les jeunes, ça! Détériorer du matériel public! L'adresse déjà? Oh là là, je vais encore me prendre un savon. Allô, c'est quelle rue la livraison? Où est-ce que vous êtes? Bon sang, j'aime pas les pizzas froides. Alors écoutez-moi bien. Il vous prendre à droite sur la croix des Mathieu. Et vous continuez jusqu'au numéro 33. Allô? C'est toi, chérie? Oh, mon cœur, je suis tellement désolée. J'ai perdu ma bague de fiançailles. Je sais pas comment c'est. Vous voyez, le lapin doit seulement appuyer sur le bouton rouge pour ouvrir la boîte et récupérer les radis. Et vous croyez que c'est possible? Oui. Non mais sérieusement, John, on ne pourra jamais envoyer ce crétin sur la Lune. Mais... c'est non négociable. Il me semble que vous vous êtes suffisamment ridiculisé pour aujourd'hui. Elle va voir. Ils vont tous voir. Quand j'aurai le prix Nobel, ils devront reconnaître mon génie. Mon sondeur mental est enfin prêt. Je vais être le premier humain à explorer l'esprit d'un lapin. 7 février, début de l'expérience dans la peau d'un lapin. Cet enregistrement est pour les générations futures. Quelle chance tu as! Tu vas devenir aussi intelligent que moi! Dites-moi que je rêve. C'est une catastrophe. Nos deux esprits ont été échangés. Non. Tout n'est pas perdu. Il me suffit d'inverser le processus. Regarde! Allez, viens là! C'est bien, viens là! Non, non, non. Calme-toi. Non. Ah, le monstre m'attaque. Hélas, le monstre est devenu fou. Je n'ai pas d'autre choix que d'utiliser la technologie pour le contrôler. Que la science me pardonne. Oh. Hein? Ah! La créature s'est emparée de la commande de contrôle. Je dois la récupérer. Regarde ça. Tu as vu ce beau radis? Va chercher. Non! Hé! Hey, sors de là, espèce de sombre crétin! Non, 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 non! Expérience numéro 10861. Ah non! Je ne jouerai pas les cobayes, c'est hors de question, tu m'entends? D'accord, d'accord, je vais faire le cobaye. Je dois utiliser ça. Expérience numéro 10862. Inutile de venir plus tôt si c'est pour dormir, John. Patronne, patronne, c'est moi, c'est moi. Oh, John, vous lui avez appris à parler? Lui, c'est le lapin. Il est moi et je suis lui. Vous comprenez? N'importe quoi. Ces lapins sont encore et toujours plus crétins que jamais. J'en ai assez de toutes ces expériences ridicules. Suivant. John, vous le surestimez. Il n'y arrivera pas. Regardez, il va essayer quelque chose. Je vous l'avais bien dit. Bon, allez, on n'en tirera rien. Suivant. Ok, sujet numéro 47. Je suis sûr que celui-là va y arriver, patronne. Génial, c'est où va le grand jour. Ouais, waouh, Robbie, un nom parfait pour un robot espion. C'est trop cool. C'est parti. Hey, wouhou. Évise un peu ça. Fréquent voir. Tu es à mes ordres. T'es prêt à me mener au QG extraterrestre, Robbie? Bien sûr que tu l'es. Tradition alien, ou alors c'est un piège. Il veut me tester. Trop bizarre. Qu'est-ce qu'il fait? La poubelle, des voitures. Quoi? Oh, oh, j'y arriverai pas. On va brûler plus. Un rituel pour que Robbie fasse partie des leurs. Où est-ce qu'il est passé? Eh oh, petit alien. Il est où? Hein? Oh. D'accord. N'importe quoi. C'est bon, je te suis. Je suis à l'intérieur du QG des aliens. Oh, je le crois pas. J'ai enfin des amis. Baba. Oh. Je m'éclate. C'est la lune. Oh non. Piège! C'était un piège depuis le début! Comment vous avez pu me faire ça? Bonjour monsieur, j'ai une nouvelle un peu étrange à vous annoncer. C'est à propos du réacteur D42, le tout neuf. Il a un peu, comme qui dirait, disparu. Monsieur, oubliez ce que je viens de vous dire. C'est un vrai cauchemar! Précédemment dans Les Lapins Crétins. Mon sondeur mental est prêt. Je vais être le premier humain à explorer l'esprit d'un lapin. C'est une catastrophe. Nos deux esprits ont été échangés. Lui c'est le lapin, il est moi et je suis lui. J'en ai assez de toutes ces expériences ridicules. Que je suis. Quoi? Eh, bas les pattes! Moi? Ok, super, merci beaucoup. Ah, je vois. Vous aimez quand je parle. Vous n'êtes pas très malin quand même. Allez, c'est bon, moi j'en ai ma claque. On s'est bien amusé, mais j'ai pas que ça à faire, je dois aller récupérer mon corps. Ah, mais vous me vénérez vraiment? Eh, finalement, c'est pas si... John, vous devriez peut-être consulter. Aïe, fais gaffe! Ah, mais enfin, c'est pas possible! Hé, regardez là-haut! Bois, 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 bois. Ouais. Oh non, encore toi. Bois, bois, bois. Bois. Ça risque d'être long. Ah non, hein, ça suffit avec cette planche maintenant. Ah bah voilà, c'est déjà mieux. Non, non. Tout doux, John. Je vérifie juste votre activité cérébrale. C'est pas bon signe. Aidez, maman. J'entends une berceuse. Change ma couche, s'il te plaît. Et toi? Comment? Fais A. Et hop là. Maman, j'ai faim. Oh, bois. Comment ils font pour courir avec ces petites pattes? Dégagez! Je ne suis pas votre roi! Voilà, c'est ça, bravo! Restez sage encore quelques minutes, John. Expérience 548, comparaison de l'activité cérébrale de John avec celle d'un lapin crétin. Laissez-moi! Laissez-moi! C'est compliqué, mais je peux tout expliquer. Ça commence. Vite, patron, il faut inverser le processus. Vite, il faut inverser les ondes cérébrales et bloquer les impulsions nerveuses. Ok, inverser les impulsions, mais... et bloquer les ondes cérébrales nerveuses. Oh. Patron, oui. Faites quelque chose, ça fait vraiment mal. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Encore, tant pis. Oh, je suis moi. Je suis re-moi. On a réussi, patron. John, qu'avez-vous fait? Dites-moi que c'est seulement un cauchemar. Je ne veux pas être un lapin crétin. Je viens de mettre au point une toute nouvelle expérience. Ah, pas de doute, c'est lui le plus bête du groupe. Et parfait! Celui-là est encore plus crétin que l'autre idiot. Et maintenant le dernier. Serait-il encore plus débile que les deux autres? John, pas besoin de test pour savoir lequel est le plus débile. Vous êtes sûr? Vous pouvez le savoir sans faire de test? Oui. C'est vous le plus idiot de ce labo. Vous avez tort, Gina. J'ai inventé des casques capables de rendre n'importe qui super intelligent. Et le meilleur moyen de les tester, c'est évidemment sur ces lapins crétins. Ça a marché? Oh, s'il vous plaît, faites que ça ait marché. Alors, ça marche? Ça a marché? Dis un truc intelligent. Vas-y. Mais... incroyable. Est-ce qu'il est en train de méditer? Il aurait atteint la sagesse absolue? Maître? Bon. Oh. Oh. Ils sont encore plus débiles qu'avant. Je ne les ai pas rendus plus intelligents, mais bien plus crétins. Peut-être pas. Si ça se trouve, le potentiel cérébral s'est concentré dans un seul lapin. Mais oui, je suis un génie. C'est la fameuse partie entre Kasparov Popoff et Knuckleberg. Jamais personne n'a réussi à trouver la solution. Incroyable! Pour la première fois, un lapin crétin a l'air de... réfléchir! Ça va être un coup de maître. Oui, oui. Allez, concentre-toi sur le jeu. Hein? Il y a un truc qui cloche avec ses oreilles. John, mais qu'est-ce que vous avez fait? J'ai tout perdu. Tout est fini. Oh, regardez! La solution de la célèbre partie entre Kasparov Popoff et Knuckleberg! Et alors, vous voulez devenir un joueur d'échecs professionnel? Ce n'est pas moi qui ai trouvé la solution! C'est lui! Qui sait quelle mystérieuse force j'ai déchaînée! Je suis vraiment génial. Si je connecte un de ces lapins extraterrestres à mes électrodes, j'arriverai enfin à déchiffrer leur ADN et alors je pourrai sauver l'humanité. Viens m'aider à plier tes chaussettes. J'arrive, maman. Oh, Première phase de l'opération, capturer un de ces aliens. Il est fou ce type. Hein? Ouah, ça alors, c'est sûrement un alien mutant. Salut toi, souris, t'es dans la boîte. Ça y est, tout est prêt. On va commencer l'analyse séquentielle. Nous allons enfin pouvoir faire la lumière sur le mystère qui entoure les lapins crétins. Plus que quelques secondes avant que le monde ne perce leur secret. Et tout ça grâce à moi. Je dois t'empêcher de détruire le monde. Allez, allez, la dame, prends la dame. Non, le fou, prends le fou. Et voilà un nouvel échec pour la science. Vous avez un message. Le gouvernement offrira 12 milliards de dollars au laboratoire qui réussira à produire un appareil indestructible pour aller sur la Lune. 12 milliards de dollars? Les lapins crétins sont indestructibles. Ils ne reculent jamais devant un obstacle. Jamais. En plus, ces lapins n'ont absolument peur de rien. Les lapins sont absolument parfaits pour être envoyés sur la Lune. On va être riches. L'appareil indestructible devra être capable de rassembler des roches lunaires, les photographier et les mettre dans une boîte. C'est fichu. Mais non, il peut le faire. Comment c'est possible d'être aussi stupide? Oh, laissons tomber. Regardez! Incroyable! Il va faire une photo. C'est bon, cette fois j'en ai la claque. Bon, Qu'est-ce qui est indestructible, qui n'a peur de rien et qui ne recule devant aucun obstacle? Je sais! Début du programme d'apprentissage automatique. Wouhou! À nous la fortune! Nous allons être riches. Téléchargement du programme d'apprentissage automatique terminé. Papa! Oh. Photographier roche lunaire. Photographier roche lunaire. Photographier roche lunaire. Photographier roche lunaire. Photographier derrière. Photographier derrière. Photographier derrière. Expulser gaz nocif. Ami. Téléchargement du nouveau programme terminé. Téléchargement du nouveau programme terminé. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Ah! Téléchargement du programme de nettoyage terminé. Programme de nettoyage. Téléchargement du programme de maquillage terminé. Programme de maquillage. Stop! Arrête le programme d'apprentissage automatique. Téléchargement du programme de danse terminé. Programme de danse. Mon joli robot! Il va le casser! Oh non, pas ça! Téléchargement du programme de cuisine terminé. Programme de cuisine. Non! Bouton-lui! Vous avez téléchargé un virus! Oh. Vous avez téléchargé un virus! Vous avez téléchargé un virus! Vous avez téléchargé un virus! Exterminé! 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 Danger! 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 Bye bye! J'ai oublié les... Oh! John! Qu'est-ce que vous avez fait? Je voulais juste qu'il prenne une photo de la pierre! Précédemment, dans les lapins crétins. Ce spécimen nous vient de la nuit des temps! Nous avons découvert le tout premier Crétinus Lapinus! Bon. Brille. Papa. Bon, bien. J'étais devant moi, de système d'avion. Salutations, humains. Une bande de malotrues m'a dérobé un objet qui m'est cher. Pourriez-vous m'aider à les appréhender? Qu'est-ce qu'il nous veut, lui? Il vend quelque chose? On s'en fiche, roule. Tous, tous, tous. Dans les pattes, voyou! Délinquant! Fiche le camp! Hé, regardez celui-là avec sa barbe! Il a l'air encore plus bête que les autres! C'est vrai! Il est tout petit, mais il a du poil au ventre. Allez, on se fait une photo. Souris. Eh, viens voir ça. Voilà. Blablabla. Voyage temporel imminent. Destination moins 3 millions d'années. Départ dans 3, 2, 1. Dans les lapins crétins. Je vais être le premier humain à explorer l'esprit d'un lapin. signe. Qu'avez-vous fait? Je ne veux pas être à la main, crétin! Faites quelque chose. Tenez vos lunettes. Tout est de votre faute. Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Charles! Tout va s'arranger, Gina. On va voir. Il suffit de... Non! De me faire procès. Qu'est-ce que vous... Ça suffit! Ok, ok, ne vous en faites pas, Gina. Non! Oh, 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 Gina! J'espère que je ne vais pas tomber sur un de ces maudits lapins. Mais où je... Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, oh, oh. Départ dans 10 secondes. Bon, je ne vois aucun lapin. Pas la peine de paniquer. Je... Quoi? Oh, oh non! Oh, t'es salvateur de là! Oh, quelle honte! Ces lapins sont tellement stupides! Je ferais mieux de trouver un moyen de réparer les bourdes de cet imbécile de John. Je crois que j'ai trouvé. Condensateur. Il me faut un condensateur à neutrons pour que ça fonctionne. Ici. Un condensateur. Comment as-tu su? Tu arrives à me comprendre? Ah, ce truc! Tu es un crétin comme tous les autres. Quoi encore? Je ne suis pas le lapin que vous croyez. Je suis un scientifique comme vous. La preuve, je parle. Oh, un lapin qui parle maintenant. Je dois être en train de devenir folle. Bon, et est-ce que tu peux me dire où sont passés les autres crétins? Si jamais j'en vois un, je sens que je vais craquer. Je ne les apprécie pas beaucoup non plus. Ils sont partis. Ils sont tous partis pour la grande migration des crétins. La migration? Rien gêné. Oh, et ça c'est quoi alors, ceux qui ont raté le départ? C'est juste un enregistrement pour mon mémoire d'anthropologie critique. Je vais l'éteindre. Tout est arrangé. Ces lapins ne nous dérangeront plus. Quoi? Quel lapin? Mon enregistrement. Oui, bon, peu importe. Chut. Oui, ça peut... Eh bien, un neurotransmetteur couplé à un condensateur de particules, c'est brillant. Mais à quoi sert l'égouttoir? Oh, à en faire un casque. Une fois en place sur la tête, il suffit de le brancher et d'appuyer ici, et je pourrai enfin retrouver ma véritable forme humaine. Je refuse de passer le reste de ma vie dans ce ridicule corps de lapin. Ce ridicule corps de lapin. Oh, je ne disais pas ça pour vous, bien sûr. D'ailleurs, je trouve votre petite barbe tout à fait charmante. Rougis de plaisir. Hein? On aurait dit un lapin. Pas du tout, ma chère. Ce n'était que moi. Mais ce carton vient de bouger. Oh, c'est probablement la migration des cartons. Vous savez. La migration, oui. Gina, ne vous inquiétez pas. Je viens vous sauver. d'apprendre. Je suppose qu'il est temps de se dire adieu. Oh, merci. Pourquoi ne pas vous transformer aussi? C'est impossible. Je dois retourner là d'où je viens. Mais si vous mettez ce casque, on partirait ensemble. On vivrait d'eau fraîche et d'algèbre quantique. Appuyez. Allez, vous pouvez le faire. Gina! C'est vous, Gina? Vous êtes sauvée. Prends ça! Ah! T'es là-bas! Oh, attendez! Attendez! Désolé, Gina. Oh, John! Oh. Ne vous en faites pas, Gina, tout est sous contrôle. Ah! Oh. Il était temps. Hein? John, il faut que nous ayons une petite discussion, vous et moi. Ah! J'étais désolé. Ça ne suffit pas.